bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et bienvenue pour la suite de notre aventure sur D3. Nous en sommes à l'épisode 3 et on est reparti dans notre incroyable demeure avec un androïde qui pour le moment ne parle pas beaucoup, hein, on va pas se mentir là-dessus, mais reste bien mystérieux pour autant. Nous revoici donc dans notre incroyable demeure et il faut s'occuper de Carl qui dort à l'étage, chose qu'on ne va évidemment pas faire pour le moment parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire au rez-de-chaussée, pas mal de trucs à regarder ou d'animations à enclencher qui pourraient pourquoi pas nous permettre des actions bénéfiques plus tard. Donc on va essayer de voir tout cela. Je peux tourner par exemple ce globe qui va pouvoir totalement bouleverser l'avenir évidemment de notre jeu vidéo. Hop, ça n'aura rien fait pour le moment. Eh oui, c'est parfois trompeur. C'est une belle girafe, putain, le rêve hein les gars. Avoir une girafe dans le salon, c'est quand même, si je puis me permettre, le petit dream. Ok, échec et mat en 3 coups pour les argenter. Ah, il peut savoir ça. C'est, ouais, en même temps, c'est un androïde, c'est une machine. Hein. C'est une machine en 3 coups pour les argenter. Peut-être que on va avoir besoin d'avoir cette info plus tard. Ça peut paraître drôle, c'est du Quantic Dream. Quantic Dream est capable de tout. On a la téloche, qui est un aquarium pour le moment. Ça, les gars, je sais pas ce que les constructeurs attendent. Faites en sorte qu'il y ait un aquarium avec des poissons. Franchement, c'est énorme, les gars, sur nos télés. Personne n'est capable de mettre un putain de mode comme ça. Pas des images fixes, un vrai... Enfin, vrai, bon, vous m'avez compris. Un aquarium avec des putains de poiscailles qui bougent aléatoirement et tout. Ça, c'est le petit fire. Allez, hop. C'est bon, ça m'a saoulé. On se casse. Bon, on a trouvé un nouveau livre. C'est plutôt cool. Je pourrais le lire de mon côté. C'est pas un problème. On a un beau piano à queue. Oh, je peux l'essayer. Voilà. C'est tout pour moi. Ça fera malheur, ça. Hein. Disque d'or et de platine. Hein. Oh là là, le bail du bordel, du bail. C'est un putain de délire. On peut peut-être faire une peinture, je sais pas. Dans Heavy Rain, je sais qu'on pouvait peindre un moment. Peindre un truc incroyable. On peut rien faire. C'est l'atelier. Donc, c'est un artiste. Là, on ne peut pas sortir, c'est des radiateurs. D'ailleurs, hé, Psartek, ces radiateurs-là. Les gars, je peux vous le dire, c'est le petit feu. Sauf quand tu te prends le pied là-dedans. Franchement, oh, je peux ranger. Et oui, les gars, faut avoir l'œil. On sait jamais. Ça peut me régaler plus tard. Si Carl, il se réveille, c'est lui l'artiste, et qu'il voit qu'il n'y a pas de bordel, peut-être qu'il va me dire, frère, Psartek. Hop, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, hein, c'est terrible. Ok. On va ranger ça aussi. Je pense clairement que là, j'ai une longueur d'avance sur le jeu. Je peux vous le dire. Ça reste entre vous et moi. J'ai clairement une longueur d'avance sur le game. Personne n'était prêt à voir ce joueur français. Là, il n'y a rien à ranger, je crois. Hop, il n'y a rien à ranger. Sur ce terrain-là. Là, peut-être ici, non? Non. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils sont malins. Hein. Ils sont malins. Qu'est-ce que c'est? Ah, les pots de peinture. Le petit coup de R2 avant de partir de la salle qui nous met bien, les gars. Allez, vas-y, régale-moi. Et c'est terminé. On a rangé l'atelier. On a pré-shot. Donc, Carl, il dort. Il est bien, là. Il n'a pas besoin de se réveiller, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le livre qu'on a déjà lu. Pas un problème. On peut partir. Je pense qu'on peut aller le réveiller à l'étage. On a à la porte d'entrée quelque chose aussi. Voilà. Petite cage à oiseaux. Ah, j'ai cru que c'était... Ah, c'est des oiseaux Mec, c'est trop bien. Des oiseaux androïdes. Ça, c'est le feu. Et hop, ça dégage. Bougez pas, les gars. Quand Carl il arrive, on fait tous une chanson. Ah. Ok, non, ça, c'était le miroir. Très bien. On va pouvoir monter, les amis. On va pouvoir voir un petit peu le Carl. À quoi il ressemble, notre, donc... maître hein, de maison, hein, on va pas se mentir sur ses propos. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est une chaise. Ok. C'est beau.
C'est beau là, hein. C'est parfois incompréhensible, mais ça reste là. Ok, rien à faire ici. Il est où? Il est là? Non, ça c'est l'atelier. C'est une belle petite maison, hein. Ok, là il n'y a rien, mais il est où les gars? Ah, il est là. Putain, la seule pièce. Il a une maison si grande avec une chambre, c'est triste, putain. C'est donc ça la vie qu'il a choisi de mener? Tirez les rideaux. Ah, il est handicapé, ok. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Oh, je la suis passé voix. Récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Oh, la voix, les gars! C'est un doubleur ultra connu. Elle est tellement stylée. On va lui filer ses médocs. Voilà, je les cherchais. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Oh, il a l'air tellement cool, le maître. Et l'androïde aussi, d'ailleurs. Oh, les deux sont cool. J'espère qu'il leur arrivera rien. Ok, là, faut que je garde ma tenue. Sinon, il tombe, hein. C'est la catastrophe, hein. On va lui laver le cul. Ah! Allez, s'occuper de Carl, c'est fait. Conduire Carl. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui. Devant la table. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Carl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Alors, il veut que je l'emmène devant la table. Là est la question. Ah, la table à manger, sûrement, non? Hop, c'est pas du tout ici, hein. Hop, et... Carl! Petit 360-noscope. On va l'emmener... je pense que c'est la table à manger, en vrai, non? Ah bah ouais, il passe pas ici, surtout. D'accord, bouge pas, hein. Le pauvre... Le je pauvre, je trimballe pas. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Je l'avais posé ici, je suis quasi sûr. Oh non, je l'avais déjà fait avant. Ah, ça avait pas pris en compte quand c'était... quand c'était lâché là, dur. C'est pas grave, on le refait, allez. C'est pas bien grave. Tu peux dessiner dessus avec une craie et ça reste.
Stylé. On lui a apporté un miam. Merci, Marcus. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Alors, le problème, c'est que j'ai déjà tout fait. Trouver quelque chose à faire. Peut-être jouer, par exemple, aux échecs. Finalement, non. Non, pas du tout. Ah, jouer aux échecs. Et ben voilà. On va jouer aux échecs. Hop, j'ai gagné. Alors ? Une petite partie d'échecs ? Oui, d'accord. Et une partie rapide ? Va pour une partie rapide. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai fait perdre, pour lui faire plaisir. Oh. Bon, là, ça devient un peu trop facile. Tu as les circuits rouillés. Ou tu fais ça par pitié pour un vieil homme. On va pas lui mentir. On va pas lui mentir. Je pense qu'il est bon de dire la vérité. Ça vous ferait plaisir de gagner. Ne loupe jamais une victoire, Marcus. Si tu peux gagner, vas-y. Oh, avec c'est la voix, comme ça fait tellement que stylé. L'humanité en est arrivée là. Oh, c'est beau. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser gagner, parce que lui, clairement, il sait qu'il faut pas être le meilleur ami d'un androïde. Un androïde reste un androïde, mais il laisse sa chance à l'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Il laisse la chance à l'avenir, finalement, même si ça peut paraître triste pour certains, ce que je peux concevoir. Il est au courant qu'un androïde, tu peux pas être son meilleur ami, mais tu peux pas non plus lui pourrir la vie, et tu fais avec. Là, je parle bien évidemment dans ce cas précis. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Attends, il n'y a pas d'autre activité à faire. Je suis sûr qu'il y avait autre chose que jouer aux échecs. Attendre les nouvelles instructions, très bien. Ok, on va continuer de regarder, on sait jamais. Ça peut peut-être débloquer quelque chose. Sachant qu'on a déjà tout rangé. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? En vrai, c'est stylé de ouf. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire.
Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin... Peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Allez, on va lui faire plaisir. Je sais pas trop quoi dessiner. Est-ce que je peux le dessiner lui ? Est-ce que je peux choisir quoi dessiner ? Ça, ça serait la beauté du sport. Trouver un sujet à peindre. Ok. Prendre la statue. Prendre le bureau. Ouais, mais si je reproduis sa toile, j'ai peur que ça le vexe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est sa vision de l'art. On essaye. Il va me dire, mais non, ouais, c'est con ce que j'ai fait. Parce qu'il va me dire, ouais, mais t'es pas fait pour reproduire. T'es fait pour créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, là par contre, le sens de la flèche est un petit peu compliqué à... C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Je sais pas si je dois maintenir appuyé sur croix, c'est terrible. Humanité, androïde, identité. J'ai envie de me sentir plus humain, clairement. Confort, colère, empathie, espoir. Toujours garder espoir. Faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'androïde. Avec ce qu'on a vécu en ville et ce qu'on a vu, autant garder espoir, clairement. En espérant que l'humanité change. Oh, c'est tellement beau. Salut, papa. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça ? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi ? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, stop ! Ça suffit ! Arrête !
Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Allez, on est parti. Même s'il est vrai que c'était court, on va s'arrêter là. Je pense qu'une vidéo par scène me paraît clairement optimisée parce que une scène peut durer entre 20 et 40 minutes. Si la scène d'après dure 40 minutes, on va s'arrêter là. On va regarder un petit peu les choix qu'on a fait et ce qu'on aurait pu faire aussi. Au début, ça s'est plutôt très très bien passé, aucun souci. Il n'y avait rien à faire avant de le réveiller finalement. Ah si, déposer le paquet, mais on l'avait fait. Activer les oiseaux, ah si si, il y avait du secondaire, lire Russie au pôle Nord et lire de la vie sur Titan, très bien, servir le petit déjeuner, ça a été fait, voilà, on a joué aux échecs, on aurait pu débloquer d'autres choses, j'ai décidé de perdre, on a donc conduit Karl dans l'atelier, peindre, on a peint quelque chose, j'ai choisi de copier la toile de Karl, j'ai pris avec le cœur l'humanité, et l'espoir, Léo entre et demande de l'argent. Donc toutes les autres, c'est des scènes qu'on aurait pu voir, mais vous vous doutez bien qu'on ne peut pas non plus tous les débloquer. C'était très sympa. Par contre, il y a un truc qui ne me rassure pas, c'est que vous voyez le cadenas en haut et en bas, je pense que ça aurait pu débloquer une action bénéfique à un moment dans le jeu. Peut-être, je suis pas sûr. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cette vidéo courte mais cool vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de D3, c'est-à-dire à demain. Portez-vous bien, ciao ciao.